être humble. Oui, c'est important. Être humble, l'humilité. Mais en même temps, c'est important aussi d'être audacieux. Une personne audacieuse, une personne qui ose, doit toujours garder cette humilité face à elle. Pourquoi ? La petach ratat rovetz. La faute nous attend. Elle est près de la porte. Oui, c'est-à-dire que, peu importe ce qu'on entreprend dans notre existence, il faut savoir que ce peut être de grandes choses. On peut devenir une grande personne, avoir de belles ambitions, mais toujours savoir qu'il y a quelque chose qui peut nous faire tomber. La chassidoute nous enseigne cela. Gardez en mémoire que le travail sur sa personne, c'est ce qui va influencer également la quête et la réussite de notre entreprise. Boker Tov Lekoulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va démarrer dans quelques instants, juste après ces quelques notes de Nigun. Nous sommes aujourd'hui le 14 qui se lève. C'est un bel anniversaire, l'anniversaire de mariage du Rabbi de Lubavitch et de la Rabbanit Chaya Mouchka. Que ce soit pour nous une source de bénédiction et de bonheur. Oui, oui. Puisque quand un maître est en train de célébrer quelque chose, eh bien, tous ses élèves sont influencés par cela. Et donc, c'est la joie de chacune et de chacun d'entre nous aujourd'hui que nous sommes en train de célébrer. David Melech Israël, le roi David, il nous a donné les Tehilim. C'est la partie la plus importante de notre Tefila. Quand on fait la Tefila tous les jours, c'est basé sur les Tehilim. Les Tehilim, c'est ce qui nous accompagne, c'est ce qui peut complètement transpercer les cieux. Vraiment, vraiment. Changer les événements. Les Tehilim. Et David, Melech Israël, il est appelé Ne'im Zmirot Israël. Akadosh Baruch Hu, à travers le roi David, véhicule un message assez particulier. David, le roi David, est appelé Zmirot. Zmirot, Zmirot, ce sont des chants. Ce sont des chants, vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire que là, on compare vraiment un roi qui nous parle de chants. C'est un peu bizarre. D'ailleurs, nos textes nous disent que Zmirot, le fait d'avoir appelé, et c'est de cette façon que David Amelech a nommé les lois juives dont nous parlons depuis quelques jours déjà, la halachot, les halachot, il les a appelés des Zmirot. Et on lui en a un petit peu voulu. C'était une façon un petit peu de leur donner moins d'importance, a priori. Et on va le voir, le rabbi Shneur Zalman va nous l'expliquer ici. Ça a quelque chose de particulier. Ça a un relief particulier de les appeler des Zmirot. L'histoire se situe à l'époque des Philistins. David Amelech, le roi David, va leur faire la guerre et il ramène ce que nous appelons le Aaron à Kodesh. Et quand il ramène le Aaron à Kodesh, ce qu'il fallait faire toujours, c'était toujours le porter. Il est dit comme ça dans les textes, à la Katef Issaou. On n'avait pas le droit de le poser sur un véhicule, sur une petite charrette, quoi que ce soit. Le Aaron était un endroit qui était tellement saint, dans lequel il y avait les chenets de Khotabrit, les tables de la loi, qu'il fallait toujours qu'il soit posé sur les épaules. D'accord ? Jamais sur un objet quelconque profane, tellement il était saint. Et lui, il va poser ce Aaron-là, et il va le poser sur cette petite charrette, et on va lui en vouloir. On va lui en vouloir, et c'est la raison pour laquelle il va être puni lui-même. Il va se punir lui-même, puisqu'il va appeler. Les textes nous disent,
les halachot de la Torah, les lois de la Torah des Zemirot. Les Zemirot, ça paraît banal. On va comprendre pourquoi est-ce que c'est si grave d'appeler les paroles de la Torah Zemirot à tel point qu'il lui arrive cette punition, et qu'on appelle ça une punition. Quel rapport y a-t-il entre le fait de dire des paroles de Torah Zemirot, de les appeler des Zemirot, et la punition qu'il va avoir de ressentir cet oubli dont il va être lui-même victime ensuite. Inebe Zohar, il est dit comme ça dans les Zohar. Mais juste avant, les trois mots qu'il dit juste avant, c'est David, Zmirot, Karit, Lehu, Khoulé. David les a appelés des Zemirot, tel qu'il est expliqué dans la Gemara. Le Zohar dit comme ça, Inebe Zohar, Shvacha de Reita Veranana Khoulé. Ou la vine, Maou, Ashevach, la Kadesh Bohu, Keshese Asur, Moutar. Dans le Zohar, on nous explique que la Torah, c'est quoi? C'est un langage de joie, de louange. Ça veut dire que c'est un louange, ce sont des louanges pour HaKadosh Baruch Hu. Il faut essayer de comprendre quelle est la louange que nous sommes en mesure d'exprimer quand nous appelons les lois de la Torah des Zemirot, à tel point de les appeler des louanges, et pourquoi quand on parle de lois de la Torah, des directives précises, particulières, des petits détails halakhiques, eh bien il y a ici l'expression des louanges de Dieu. A priori, on pourrait croire que des lois, ce sont juste des suggestions d'accompagnement, ce sont des éléments qui nous permettent de nous attacher à Dieu, d'accomplir sa volonté. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle ça des louanges, de la glorification? Iné, ou aderech magadlu maasecha Hashem odamko marchevotech, elle est dit comme ça dans les textes. Toujours par notre saint roi David Ammelech, que dans les Tehilim, magadlu maasecha Hashem, quelles sont grandes tes actions, tes créatures. Elles sont profondes, très profondes, tes pensées. A priori, il aurait dû dire l'inverse. On est tous constitués de la pensée, de la parole et de l'action, et on est d'accord que, avant d'agir, on pense, même si on n'en est pas toujours conscient, mais avant d'agir, on pense. Le texte aurait dû dire « Mais odamku marchevotecha » « Quelles sont profondes tes pensées ?» et ensuite dire « Marabou maasecha » « Quelles sont grandes tes actions ?» « Magadou maasecha » « Quelles sont grandes tes actions ?» Donc l'action vient après la pensée, et on voit que David Ammelech, ici, il dit l'inverse, il dit « D'abord les actions sont grandes, et ensuite les pensées sont profondes. Pourquoi » Pourquoi? Il va nous expliquer qu'en fait, de ce verset-là, hein, « Grandes sont tes actions », c'est-à-dire la grandeur et les mondes multiples qu'il y a dans ces actions-là et qui en découlent. Par ça, on va comprendre comment est-ce qu'elles sont profondes ces pensées-là. La pensée, la sagesse de la Torah qui est dans la Torah. « Kinenoda », c'est connu cette chose-là. « Shikola olamot elyonim tartonim teluim bedigdut mitzvahat » Tous les mondes supérieurs et inférieurs dépendent d'un petit détail que nous accomplissons dans chaque mitzvah quand nous accomplissons notre Torah. Excusez-moi. Derech Machal, par exemple, im korban kasher, im korban kasher, c'est-à-dire que quand par exemple on apportait un korban, un sacrifice au Beth Amikdash, eh bien s'il était kasher, s'il était apporté comme il fallait, alors à ce moment-là, on avait réussi à atteindre notre objectif, et à savoir qu'on avait réussi à produire quelque chose. Ça veut dire quoi? Eh bien une forme d'unicité, d'union suprême de différents niveaux spirituels. Parce que le Corban, il était caché. Autrement dit, chaque petit détail de ma vie juive a une incidence et un impact réel sur ce qui se passe au niveau des unions, des différents niveaux de spiritualité et de divinité, jusqu'à arriver à cette union suprême dans les séphirot, dans les mondes supérieurs. Veolim kol olamon lekabel chayutam bishifam, et tous les mondes montent, s'élèvent pour recevoir leur vitalité et leur influence. Veim shina. Et à ce moment-là, s'il a changé une des petites précisions et des détails qui étaient nécessaires quand on apportait un korban au Beth Amikdash, Shikibel Adam, Bismolo Derech Machal, par exemple, au moment où il devait prendre le sang, il l'a pris, ou il l'a posé du côté gauche et pas du côté droit, admettons, ou bien qu'il a pris le sang chez l'Obichli Charet Kacher, ou bien il a utilisé un récipient qui, lui, n'était pas kacher, n'était pas apte à cette utilisation. Oshaita Khatsitsa, ou bien qu'il était à ce moment-là, vous savez, il y a différentes. Le Kohen devait prendre ce qu'on appelle klisharet, c'est-à-dire les ustensiles de service qui permettaient de récupérer le sang d'un sacrifice sur l'autel. C'est des petits détails, a priori, qui nous paraissent insignifiants. Entre sa main et l'objet, il ne fallait pas qu'il y ait quoi que ce soit qui le sépare. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit en lien direct. Rien qui soit au milieu, ni bout de tissu, ni quoi que ce soit. De la main à ce clicharette, à cet ustensile qui était dans le Beth Amikdash.
Donc a priori, c'est un détail. Et là, on nous dit, s'il y avait ce petit détail qui manquait, eh bien, Zainit Batla Aliyat HaOlamot, le korban a été apporté. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est annulé, cette élévation et cette connexion, cette union suprême qui est censée être et arriver grâce à ce korban-là. À ce moment-là, pire que ça, hein, ça engendre quoi? L'annulation aussi de la vitalité, de l'influence qui était censée être apportée à le monde dans lequel nous vivons grâce à ce korban. Ça a une réelle incidence. Mais Chaya Chaim Otsov Baruchu, de la vie éternelle, de l'infini du Saint-Béni soit-il. Vechen Bitfilin Kshirot, c'est ce qui se passe aussi quand un juif met et pose sur son bras des téfilines qui sont bien, qui sont aptes, c'est-à-dire qui sont bien cachées. Midgalin, Mochin, Eluenim, Dizeran, Pin, Venugva. À ce moment-là, il y a le dévoilement de la partie cérébrale suprême du niveau de Zeran Pin avec Nugva. Zeran Pin, le donneur, Nugva, ce qui reçoit. Et ces deux forces-là se réunissent parce qu'on met les téfilines comme il faut. Mais s'il y a un petit détail qui n'est pas comme il faut au moment de la mitzvah, ça nous paraît insignifiant. Mais ça a une incidence sur les mondes supérieurs, ça a une incidence sur l'énergie que tu étais censé faire descendre ici-bas sur Terre, que la lumière qui émanait de cette mitzvah-là, elle ne pourra pas se répandre comme il faut. Donc fais bien attention à chaque petit détail de ta mitzvah. Qu'est-ce que c'est ce Zeran Pin et Nugva? Eh bien, il faut savoir que Zeran Pin et Malchut, là derrière, cette dernière séphira qui s'exprime dans le monde d'Atsilut, se connectent, et quand ils se connectent, il y a une reproduction de cette énergie et de cette lumière. Pourquoi? Parce que eux sont la source de toute la vie de tous les différents mondes. Comme ils sont la source de tous les mondes, donc par une petite précision qui n'est pas faite comme il faut dans cette mitzvah-là, les tefilines sont psoulim, ils ne sont plus aptes à être utilisés. Ou mistalkin amochin. Et les tefilines que nous posons sur la tête et qui sont censées élever et unir la profondeur de notre pensée, de notre cerveau, de notre intellect à ce qu'il y a de plus haut là-haut et générer ce flux de lumière-là, cette émanation, eh bien ça va manquer. Cela ne va pas se passer. Ou kaigalna, ou bien comme d'autres cas, comme d'autres exemples, digduke mitzvot totase, dans la précision qu'on est censé mettre. Et aux détails qu'on doit porter quand nous accomplissons les mitzvot, même négatifs, c'est-à-dire ce qu'on ne doit pas enfreindre. Vikar, c'est la raison pour laquelle. Celui qui réfléchit à la grandeur des actions de Dieu, de tout ce qu'il a créé, par la multiplicité de tous ces mondes et toutes ces créatures qu'il y a dans ces mondes-là. Erkulam, comment tous ces mondes, que tout, quand on prend conscience que tous ces différents mondes qu'Akadosh Baruch Hu a créés, qui sont là, réels dans notre réalité à nous, même si on n'en est pas conscient toujours, c'est la raison pour laquelle on étudie la Chassidut, pour prendre plus de conscience sur tout ce qui se passe, sur l'incidence de nos petits gestes, des petits détails, des lois de la Torah. Et quand on se dit que tous ces mondes-là ne sont plus actifs, n'existe plus, ne sont plus un mouvement, juste parce qu'on n'a pas respecté un petit détail insignifiant de la mitzvah. Ou bien, Omek Machashavat Ha'Eliona V'Chochmato Yitbarer, comprendre comment la profondeur de la sagesse, la pensée suprême et supérieure se trouve dans un petit détail. Comment est-ce que s'exprime l'annulation de tous ces mondes face à un petit détail de la Torah? Asher Bedikdu Kal, avec une petite précision que j'accomplis quand je fais une mitzvah comme il faut. Olim kol haolamot umekablim chayutam veshifam. Monte et s'élève toute la vitalité et les influences qui viennent de tous les mondes. Olaifer chas veshalom. Ou bien l'inverse, que là, à ce moment-là, on ne pourra pas permettre cette lumière, à cette lumière-là de descendre. Umizenit bonen doulat omek machashavoto idbarer. Et c'est sur ça qu'on doit approfondir notre réflexion, la grandeur de la pensée du Saint Béni soit-il. Shu bivrinat beligvul vetachlit. S'il est à un niveau d'infini d'illimité, ou Mahalata est la particularité et la valeur ajoutée qu'elle a, cette pensée suprême, puisqu'elle est au-dessus de tout, de dire valeur ajoutée, déjà, c'est une forme de limite, donc on est bien au-dessus de tout cela. Les Enkets, Vetachlit, Al-Malot, Hayot, Kolaolamot, à l'infini, sur tous les niveaux et d'élévation que peuvent avoir les vitalités qu'il y a dans les différents mondes, chez Kol, Hayot, Amchofi, Amedigdu, Kechad, Mimena, que tout vient de la profondeur de la pensée suprême et supérieure. De ce petit détail-là, Nimshach Mimekoro, Shehu Nimshach Mimekoro, parce que ce petit détail, cette petite précision-là, vient de sa source, ou Omek Machashavto Idvarech, c'est la profondeur de sa pensée, le Saint, du Saint Béni soit-il. Comme aussi Aradam Nimshach Mimekoro Adarech Machal, comme l'exemple que nous avons donné hier, de ce petit cheveu qui est sur la tête, qui lui provient de la source première d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire de ce qu'il y a de plus haut, même si ça nous paraît insignifiant, le cheveu de la tête vient du cerveau, et il prend, et il. De cette façon-là, à travers
cette énergie qu'il est capable de prendre du cerveau, il existe. Il a dans sa subtilité, son raffinement, mais aussi dans cette compression, dans cette condensation d'énergie, tout et en même temps, tout voilé au maximum. Notre but à nous, c'est de dévoiler tout cela. Vechanodam et Tikkunim, comme il est dit dans les Tikkunim, dans ces œuvres-là de Kabbalah, ou bien dans le Hidra Rabba, qui est aussi une œuvre de Kabbalah profonde, que tous les petits détails de toutes ces lois-là de la Torah sont un petit peu comme ces petits cheveux qu'il y a dans la tête, il y en a d'innombrables cheveux, mais chaque petit détail vient quand même de ce cerveau-là, de cette source première. Vizot Aïta Simchat David Amelech Alav HaShalom. C'était ça la joie du roi David. Shaya Mezamer Omeranen. Qu'il chantait. Il faisait des louanges à Dieu. Les Sameach Chribo Besekatora Betsahato. Il continuait à chanter même dans ces moments de difficulté. Parce que son chant à lui, c'est parce qu'il ressentait, il était sensible à tout ce qui se passait dans le monde. Et il savait que tout ce qui se passait dans le monde n'était rien face à la grandeur d'un petit détail de la Torah. Et c'était ça la force de David à Meller, qu'il a réussi à comprendre que le petit détail n'était rien, si ce n'est quoi, la représentation de toute l'énergie de Dieu, et que tout ce qui se passe autour de nous n'est rien face à ces petits détails-là. Donc, sachons garder l'importance des petits détails de la halakha, et comprenons que l'incidence est très grande. Chaque petit respect de chaque petite mitzvah, ne pas partir à droite ou à gauche, faire attention, ne pas trop s'adapter et adapter les mitzvot à ce que nous pourrons faire, mais rester fort, ne rien lâcher, être vigilant, parce que tous ces petits détails nous permettent de créer des unions, de créer des lumières qui descendent des dévoilements de Dieu ici-bas sur terre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tania du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous invite à partager, à liker et à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. À très bientôt et bonne journée.